En el marco de las formaciones CAS dadas en género y desarrollo para África y América Latina que implementa el IHID, hemos desarrollado una colección de 6 videos para facilitar la implementación de la malla de género, que es una herramienta realmente poderosa para la transformación social y la implementación del enfoque de género en los proyectos y programas de desarrollo. Les invitamos a descubrirlo. Taking sanitation as an entry point, the Overdue project sought to understand why gender inequality keeps on being perpetuated on a daily basis across African cities. The web of institutionalization developed by Professor Karen Levy was a critical resource in that respect. It helped us, on the one hand, to understand the key power points where these inequalities are rooted, but also to find ways of developing actions and strategies that can transform these inequalities. We are now really thrilled to see that the experiences of 4 of the 7 cities that took part in the project are being used to show how the web of institutionalization works. This is how it works in terms of diagnosis, but also as a critical feminist tool for action and research. Cette vidéo illustre un parcours d'intégration du genre dans un projet de recyclage des boues fécales dans une commune d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelles ont été les étapes? La première étape a été de développer une méthodologie sensible au genre. Nous avons essayé d'avoir une équipe pluridisciplinaire et puis une équipe assez genrée. Nous nous sommes appuyés sur un groupe d'étudiants et étudiantes, puis des groupements de femmes qui ont l'habitude de travailler avec notre organisation et donc elles se sont impliquées aussi dans notre collecte de données. Nous avons organisé un atelier pour élaborer le questionnaire, la méthodologie de travail et identifier la cible, les différentes cibles de notre enquête. Il y a eu beaucoup de discussions au sein de l'équipe. D'abord, les femmes de tous niveaux qu'on avait au sein de notre équipe avaient un peu du mal à comprendre la méthodologie des étudiantes et certaines personnes qui étaient déjà expertes en matière de collecte des données. Des mots comme caca, pipi, etc., qui étaient vraiment un peu compliqués à accepter par certaines personnes de notre équipe. Et ces personnes ont dit non, nous sommes en Afrique, il ne faut pas appeler certaines choses aussi directement, il y a des mots pour le dire dans notre langage, etc. Finalement, on a accepté qu'on laissait chaque personne parler selon sa sensibilité, mais de laisser les autres personnes qu'on interviewait prononcer les mots tels qu'elles le voulaient. Nous avons essayé d'abord de dire à qui va s'adresser notre questionnaire. Et est-ce que c'est le même questionnaire qu'on adresse aux femmes et aux filles? Est-ce qu'on aborde tous les sujets dans le cadre de cette étude, y compris parler des menstruations? Est-ce qu'on échange aussi sur le rôle des femmes et des hommes dans les ménages, sur la question de qui entretient, qui gère, qui paye ou la vidange, ou qui s'occupe de la vidange, etc. Et aussi dans les lieux publics, comment est-ce que les toilettes sont entretenues? Est-ce que les femmes sont confortables à aller dans les toilettes publiques? Qu'est-ce qui fait défaut et qu'est-ce qui est bien? Aussi, il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'on pose des questions liées aux violences sexuelles autour des toilettes? Et là, vraiment, certaines filles même qui faisaient partie de notre équipe ont dit que c'était gênant pour nous de poser cette question-là aux jeunes filles parce que c'était des questions dont elles ne souhaitent pas parler pour certaines. Et les femmes aussi qui étaient là ont dit que c'est pas toujours bien pour une fille de dire que je me suis fait agresser sexuellement, etc. Donc il fallait qu'on élimine cette question-là de notre étude. Bon, l'autre groupe
dont je faisais partie d'ailleurs, a dit qu'il fallait quand même qu'on puisse toucher du doigt cette question-là qui est importante. Et finalement, nous avons décidé quand même de lui poser la question et de demander à la personne qu'elle était libre de répondre. La seconde étape a été de réaliser le diagnostic pour éclairer les enjeux de genre. Nous avons commencé par les domiciles. Et nous sommes allés au sein des familles, au sein des groupes communs où il y a plusieurs familles qui habitent ensemble. Et nous avons essayé de voir quels sont les problèmes liés à l'assainissement dans ces maisons et dans ces cours communes. Au sein de ces cours communes-là, essayer de voir tous les problèmes, tout le processus de l'assainissement, quant à l'accès aux toilettes, quant à la gestion des toilettes, quant aux inégalités du genre dans les toilettes, quant au contrôle des toilettes, etc., au niveau en tout cas de la sphère familiale. Quels sont les problèmes en termes de problèmes économiques liés à la question des toilettes, notamment des vidanges, de la construction ou de la non-construction des toilettes, etc. Quand nous avons fini, nous sommes passés aux toilettes publiques. Dans les marchés, nous avons pu rencontrer les femmes, nous avons pu rencontrer les hommes, nous avons pu rencontrer même des enfants, des jeunes filles. Et nous avons questionné leur réalité par rapport à l'assainissement. Nous avons aussi rencontré des gestionnaires de toilettes publiques, c'est-à-dire des personnes privées qui construisent des toilettes publiques et qui mettent à la disposition payante des usagers et des usagères. Nous sommes allés vers les mairies, nous avons essayé vraiment de rencontrer au niveau de la mairie quelles sont les organisations, en fait, quels sont les services qui s'occupent de l'assainissement. Comment ces services-là sont structurés. Nous avons essayé de voir aussi s'il y a des responsables chargés de la question du genre pour voir si cette personne a essayé de mettre quand même le nez dans la question de l'assainissement pour voir le rapport avec le respect des libertés des gens. Ce qui a été difficile pour nous, c'était de pouvoir comprendre le budget des collectivités territoriales pour voir s'il y avait quelque chose d'alloué à l'assainissement et si ce qui était alloué à l'assainissement prévoyait aussi la dimension genre. Malheureusement, bon, souvent, on n'a pas pu avoir accès au budget des communes. Ensuite, nous avons commencé à rencontrer des associations, des structures, des organisations professionnelles de l'assainissement. Par exemple, les vidangeurs et vidangeuses et par exemple, les instituts de formation, les instituts de gestion de la question de l'assainissement et aussi des ONG et associations intéressées par la question de l'assainissement, mais aussi de l'égalité du genre dans l'assainissement. Chaque fois que nous évoluons dans notre démarche, il y a certains acteurs que nous n'avons pas prévus au départ qui s'ajoutaient à notre liste parce que nous voyons qu'il y a c'était pertinent de les rencontrer. Aussi, nous avons dû ajouter d'autres questionnaires. La troisième étape a été la formulation du projet. Quel que soit le projet qu'on allait mettre en place, il fallait penser à ce que les femmes aient une activité génératrice de revenus. L'autre problème aussi, c'était l'implication des municipalités dans la question de l'assainissement. Voilà comment nous avons pu trouver notre projet qui est un projet de création d'une unité pilote de recyclage de boues fécales en compost. La mise en œuvre a été la quatrième étape. Nous avons dû réidentifier notre cible et nos partenaires, nos alliés. Un mouvement de femmes de la commune d'Avaux, sensibilisées et formées. Ensuite, nous sommes passés à la phase d'information de la population. Heureusement pour nous, ça a coïncidé un peu avec la Journée mondiale des toilettes. Et donc, nous avons utilisé une caravane pour d'abord parler des toilettes, pour parler des résultats que nous avons pu obtenir au cours de notre diagnostic, mais aussi pour parler du recyclage de boue. Le projet ne pouvait pas être réalisé tant que
la population n'adhérait pas totalement. On n'a pas pu réaliser l'unité de compostage pour le moment. Et nous avons décidé de reprendre encore une étude sur ce terrain-là pour savoir un peu pourquoi est-ce que les gens sont hésitants. Et donc, nous avons dû préparer des outils de sensibilisation, les outils aussi de collecte des données. On a pensé à faire un micro-trottoir. On a commencé à faire des focus, de réaliser des focus group avec les femmes, avec les jeunes, avec toute personne, pour pouvoir vraiment savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'eux, ils et elles pensent de la réalisation d'un tel projet dans leur commune. Nous nous sommes rendus compte que les réticences des hommes, des jeunes, et même des femmes elles-mêmes, c'est des questions liées au genre. Finalement, on a l'impression que les hommes sont à l'aise tant que l'argent, c'est-à-dire le revenu de la famille, provient de l'homme. Et tant que les femmes restent à la maison à s'occuper des tâches ménagères et autres, sans rapporter de l'argent. Comment faire évoluer les théories à partir du projet ? Aucun projet d'assainissement ne peut vraiment prospérer sans prendre en compte vraiment dans chacun de ses aspects la dimension genre. Il faut emmener le politique à afficher une réelle volonté politique pour l'assainissement, mais surtout pour la prise en compte de la dimension genre dans l'assainissement. S'il y avait quelque chose à faire autrement, c'était de faire porter notre plaidoyer par les usagers,